De l'époque cro-magnon et néandertale, l'auteur a jugé bon d'écrire une version française, facilement accessible aux oreilles contemporaines des spectateurs. Vous êtes prêtes, mesdames? Vous pouvez reprendre. Aïe, ça me fait mal ton truc! Toi, pas comprendre! Toi, bouger! Aïe, si, je comprends tout à fait ton point de vue! Alors toi, poussez-toi d'abord avant que moi m'agacer! Raté! Moi, sentir énormément monter! Encore raté! Moi, écrabouiller toi! Dommage! Trop lent! Merci, madame. En moins de 30 000 ans avant notre ère, les hommes de Néandertal et les hommes de Cro-Magnon ont vécu quelques milliers d'années côte à côte en France, dans la région de Châtel-Perrault, en Auvergne. Nous allons vous conter l'histoire de cette coexistence qui, comme vous avez pu le constater, n'était pas toujours des plus calmes. Mais c'était aussi une époque florissante durant laquelle furent inventés quantité d'objets qui, pour nous, humains du XXIe siècle, nous paraissent aujourd'hui bien insignifiants, mais qui, à l'époque, étaient considérés comme de véritables trésors. C'était au temps de la préhistoire, il y a 200 000 ou 300 000 ans. Vint au monde un être bizarre, proche parent de l'orang-outan. Debout sur ses pattes de derrière, vêtu d'un slip en peau de bison. Il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro, l'homme de Mar, l'homme de Non. L'homme de Cro-Magnon, l'homme de Cro de Magnon, ce n'est pas du bidon. L'homme de Cro-Magnon, l'homme de Cro de Magnon, ce n'est pas du bidon. L'homme de Cro-Magnon. Armé de sa hache de pierre, de son couteau de pierre et tout, il chassait l'ours et la panthère, en serrant les fesses malgré tout. Devant Diplodocus en rage, il se faisait tout de même un peu petit, en disant dans son langage, vivement qu'on invente le fusil. L'homme de Cro, l'homme de Mar, l'homme de Magnon, l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Cro de Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon, papa, l'homme de Cro de Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Il était poète à 16 heures, disant à sa femme en émoi, tu es belle comme un dinosaure, tu ressembles à Lolo Brigida. Si tu veux voir mes cartes postales, viens dans la cave tout là-haut. Je te ferai voir mes peintures murales, on dirait du vrai Picasso. L'homme de Cro, l'homme de Magnon, l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Cro de Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon, papa, l'homme de Cro de Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro, l'homme de Magnon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro de Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon, papa. L'homme de Cro de Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Bon, assez joué. Bonne journée, Drouk. Toi, rien faire de toi, tante. Moi, revenir un jour, faire de toi purée de tronny. Ah, c'est braque. Toujours aussi bête. Branag, branag. Salut Lati, tu m'as l'air bien excitée ce matin. Regarde ce que j'ai inventé hier soir. Bah quoi? C'est juste un morceau de bois avec une liane. À quoi veux-tu que ça nous serve? Je ne sais pas encore, mais je pense qu'on peut faire quelque chose avec ça. Peut-être chasser. Vas-y, jette-le pour voir. Mouais, pas terrible. Peut-être il manque quelque chose, mais quoi? Je ne sais pas, mais en attendant, il faut qu'on parte à la chasse si on veut avoir à manger à midi. Tu as ton gourdin? Je l'ai laissé là en caverne. Allons-y, j'ai vu des ours pas très loin d'ici. J'en ai marre, j'en ai marre.
marre et archi marre. Calme-toi, Sérénie, on va sûrement trouver une solution. Ces vieux jupons de bête n'arrêtent pas de se déchirer. Si ça continue, je n'aurai plus rien à me mettre pour l'hiver. Ce qu'il te faudrait, c'est pouvoir réunir plusieurs morceaux de fourrure ensemble. T'as raison, ça permettrait de varier les couleurs, ça serait plus joli. Et en plus, quand un morceau de fourrure serait usé, il suffirait juste de le remplacer. C'est bien beau tout ça, mais comment tu fais pour les assembler, tes morceaux de fourrure? C'est là le problème, comment faire? Aïe! Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis piqué avec ça. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un morceau d'os de renne et en plus ça m'a fait un trou dans ma fourrure. Fais voir. Et pourquoi pas? À quoi tu penses? Les amis, je crois que j'ai trouvé une solution à nos problèmes. Venez avec moi. À cause de la chaleur, le poisson sent mauvais, le mammouth est moisi, il y a plein de fourmis sur le steak de renne. Et la viande d'ours a un sale goût. Si ça continue, nous allons tous tomber malades. Il faudrait trouver un moyen de conserver la viande plus longtemps, comme à l'époque des grands froids. Si tu sais comment faire tomber la neige. Et si on faisait un trou dans le sol pour y mettre de la glace? On met le poisson et la viande dedans, et quand on va manger, hop, on les sort de la glace. Pas mal comme idée, mais tu fais comment pendant les périodes de chaleur, quand il n'y a plus de glace? Tu as raison, quand il fait chaud, la glace se transforme en eau. Nous allons réfléchir à tout ça et nous trouverons bien une solution. De mon côté, il faut que je trouve quelque chose qui coupe mieux que ces fichues pierres. À chaque fois que je découpe de la viande ou du poisson, avec ça, j'en fais de la bouillie. Au fait, Rosie, tu pourrais rapporter du poisson pour le repas de ce soir? Alors là, pas question. Et pourquoi ça? J'en ai marre d'attraper les poissons à la main. L'eau est trop froide et l'autre jour, j'ai failli tomber dans la rivière. Tu ne peux pas le prendre d'une autre façon? J'ai essayé de leur lancer des cailloux sur la tête, mais ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'on va manger si tu ne veux plus nous prendre des poissons? Bon, il y a sûrement d'autres façons de les attraper plus facilement. Je trouverai bien. Mince! Qu'est-ce qui se passe? Faut que je file, j'ai oublié ma viande sur le feu. A plus dans la caverne. Bon ben, je retourne à la pêche, moi. Vous pouvoir venir, eux, plus là. Moi, dire ça, pas être juste. Toi, raison, Yorga. Pourquoi? Braque toujours mal habillé, patronie 1. Moi, pas savoir. Et pourquoi nourriture Trony meilleure que nourriture Braque 1? Moi, pas savoir. Pourquoi Trony avoir jolies choses et pas Braque? Moi, pas savoir. Et pourquoi Trony chasser et pêcher mieux que Braque? Moi, pas savoir. C'est tout ce que toi savoir dire? Moi, pas savoir quoi savoir dire. Peut-être que Trony plus intelligent que Braque. Toi, arrêtez de dire bêtises. Non, Yorga avoir raison. Nous, pas plus intelligents que Trony, mais nous, beaucoup plus malins. Et à quoi servir-nous d'être malins? Si nous pas arriver à inventer des trucs, nous voler. Moi, pas oiseau, pas savoir voler. Moi, vouloir dire piquer truc. Moi, pas abeille, pas pouvoir piquer. Toi, arrête de parler. Toi, plus stupide que caillou. Moi, trouver que toi, avoir beaucoup d'idées pour moi. Toi, pas être un peu trop nid des fois. T'envoies à manger ma fille ou quoi? Moi, préfère écraser par mammouth plutôt que ressembler à un mangeur de racines. Et si nous prendre invention à Trony, nous, quoi en faire? Nous utiliser un vieux Trony et nous devenir grand clan super puissant. Ah ouais, super puissant. La puissance, oh c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance, oh c'est la puissance, c'est la puissance.
Maintenant, Droog, montrez là-bas. Mais là-bas est arbre tout minuscule. Nous trois, pas possible de cacher derrière. Alors nous, prendre chaque arbre pour cacher derrière. Ça est une meilleure idée. Moi, prendre celui-ci. Non, moi, avoir vu arbre en premier. Moi, courir plus vite. Moi, pas courir assez d'arbres comme ça. Plus qu'à chercher quelque chose pour attacher les peaux ensemble et nous pourrons faire tous les vêtements qu'on veut de toutes les couleurs. Et quand un morceau est abîmé, on le remplace par un autre. Et comment tu l'appelles ton invention? Comme ça ressemble à une petite anguille pointue, on va l'appeler le même nom. Anguille? Bizarre comme nom. Et voici comment fut inventée l'aiguille. Au fil des siècles et par déformation, le terme Cro-Magnon anguille devint aiguille. Mais bon, cette interprétation reste bien sûr à prouver. C'est bien beau tout ça. Vous n'avez pas entendu des voix? Non, pourquoi? Pour rien. Et avec ton anguille, on ne pourrait pas faire des trous dans les pierres de différentes couleurs? Bien sûr, si les pierres ne sont pas trop dures. Tu voudrais faire quoi? Les accrocher ensemble pour décorer mon cou et mes poignets. Ça pourrait être joli, c'est vrai. Cherchons quelque chose pour attacher les fourrures et les pierres. Allons voir dans la forêt, peut-être qu'avec des morceaux de liane, ça pourrait marcher. Bonne idée, allons-y. Thank you.
fatigant, restez-nous debout derrière arbre. Surtout que moi, rien voir derrière arbre. Moi non plus, rien voir. Moi, voir arbre, et puis c'est tout. Et puis, rien entendre non plus. Trop loin. Et si nous cacher derrière rocher? Nous, essayer. Moi, prendre un gros rocher là-bas. Non, moi, avoir vu rocher en premier. Moi, courir plus vite. Moi, pas courir. Assez de rochers comme ça. Le poisson a sauté hors de l'eau et il s'est accroché tout seul, la lèvre à une épine. Incroyable! Il est resté comme ça, pendu dans le vide! Il avait beau bouger dans tous les sens, impossible de se libérer. Et qu'est-ce que tu as fait après? J'ai bien regardé la forme de l'épine et j'en ai taillé une pareille dans du bois. J'ai fait un petit trou dans du bois et je l'ai attaché avec une liane toute fine. Et tu attrapes du poisson avec ça? Pas encore. Je l'ai lancé dans l'eau, mais ça ne les attire pas vraiment. Peut-être que tu devrais y mettre quelque chose que mangent les poissons. Mais oui, tu as raison. Les poissons adorent les mouches. Va voir Tracy. J'ai vu dans sa caverne un gros jambon que les mouches semblaient adorer. D'accord. Ensuite, retrouvez-moi au bord de la rivière. Je voudrais vous faire essayer ça. Joli bateau. Qu'est-ce que tu vas en faire? Cette épine m'a donné beaucoup d'idées. J'ai taillé ce bout de bois pour qu'il y ait une épine au bout. Pas bête, comme ça, quand tu attrapes ton poisson, il ne s'échappe pas. Grâce à l'épine. Ça pourrait peut-être aussi nous servir pour la chasse. Mes amis, je crois que la chasse et la pêche vont bientôt devenir beaucoup plus intéressantes. Venez, allons construire ces nouveaux outils. Alors vous, quoi voir? Moi voir beaucoup fourmis derrière rocher. Et toi, quoi faire derrière rocher? Moi attraper mouche pour manger. Et toi? Moi m'être endormi derrière rocher. Aïe! Alors quoi inventer? Rien inventer. Pas si intelligent que ça. Moi avoir trouvé chose intéressante. Et quoi ça être? Moi trouver que mousse ça être très bon à manger. Alors toi Alors toi devenir chasseur de mouches. Moi pas comprendre quelque chose. Et quoi ça être? Pourquoi nous cacher derrière arbre et cailloux, nous rien voir? Vous entendre? Arbre et cailloux, pas pareil. Moi avoir compris chose. Et ça est trop mieux, j'espère. Est-ce que toi, savoir que Bouse de Mammouth peut chauffer nous quand le soleil est plus là? Moi déjà savoir tout ça. Vous trop bêtes. Moi aller dans caverne à moi pour casser gros rocher avec gros bâton pour calmer moi. Et nous quoi faire? Vous allez voir tout dans vos rivières si moi être. Et si vous pas trouvez moi, vous cherchez jusqu'à ce que vous trouvez moi. Moi comprends pourquoi Braque disparaît bientôt. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis coupée. En faisant quoi? Tu sais que depuis un moment, je cherche quelque chose qui coupe mieux que ces fichus galets de la rivière. Comme je ne trouvais rien et que ça m'énervait, je suis allée me promener dans la prairie et pour me calmer, j'ai pris un gros caillou que j'ai lancé très fort sur un rocher. Et alors? Et alors, il a explosé en mille morceaux. Bizarre pour un caillou. D'habitude, ou il ne se casse pas, ou il tombe en poussière. C'est ce que je me suis dit, alors je suis allée étudier ça de plus près. Et j'ai vu que plusieurs fragments de la pierre étaient très fins. J'en ai pris un dans ma main et c'est comme ça que je me suis coupé le doigt. Je parie que ça t'a donné une idée.
crème et je l'ai testé sur un poisson. Tu ne vas pas me croire, mais j'ai réussi à le couper en deux en seulement une seule fois. Ça y est alors, tu l'as enfin ton outil qui coupe. Tu l'as appelé comment? J'ai pensé à un tranchoir vu qu'il fait des tranches. Tu pourras m'expliquer comment on l'utilise? Ça pourrait m'aider pour la cuisine. Au fait, et la viande que tu avais oubliée sur le feu? En fait, le feu s'était éteint. J'ai cru que ça avait abîmé la viande. Elle avait une couleur bizarre et était devenue toute sèche. Tu l'as jetée? C'est ce que je voulais faire, mais je l'ai goûtée avant. C'était dégoûtant? C'était délicieux. Comment ça se fait? Je n'en sais rien. Mais je crois que j'ai trouvé un moyen de conserver la viande plus longtemps. Et demain, j'essaierai avec du poisson pour voir ce que ça fait. C'est bizarre, les braques ne nous ont pas beaucoup embêtés aujourd'hui. D'habitude, ils cherchent toujours à nous voler quelque chose. Regardez, regardez ce que j'ai inventé avec l'anguille de Nésis. C'est très joli, dis donc. Est-ce que tu as autour du cou aussi? Je l'ai fait avec les dents du vieux loup que Lati a tué il y a 2 jours. S'il te plaît, tu pourras me faire la même chose? Ah, moi aussi? C'est peut-être joli, mais pas très utile. Mais tais-toi donc, Branagh. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Peut-être, mais ce n'est pas avec ça qu'on va attraper des ours ou des tigres. Il n'y a pas que la chasse dans la vie. C'est nouveau ça? Oui, c'est nouveau. Avec toutes ces nouvelles inventions, nous allons entrer dans une nouvelle ère, celle de l'homme moderne. Et peut-être qu'un jour nous irons habiter ailleurs que dans des grottes. Il ne faut pas trop rêver quand même. Mais si, tout le monde peut rêver. Et pourquoi les Breaks, ils ne rêvent pas, Parce qu'ils préfèrent se taper sur la tête avec leur massue plutôt que de l'utiliser pour réfléchir. Comment tu réfléchis avec massue, toi? Vous êtes sûr que la tienne n'a pas du sang dans les deux bras, dans les veines des fois? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Allez viens, Lati, laissons-les parler fourrures et dents de loup. Nous allons partir à la chasse du plus gros tigre à dents de sable de la forêt. Bonne idée, je pense qu'on va bien s'amuser. Moi, vouloir devenir Crony. Pourquoi tu voudras entrer dans notre clan? Tu es un braque. Moi, on a Varma, braque stupide. Et si nous t'acceptons dans notre clan? Et qu'est-ce que tu feras si nous t'acceptons dans notre clan? Si moi devenir Crony, moi devenir chef à vous. Toi, notre chef? Tu sais trop que c'est une très bonne idée. Si tu veux devenir notre chef, il faut que tu nous donnes quelque chose en échange. Moi, rien à voir. Moi, pas savoir quoi donner à vous. Attends un instant. Venez par ici, les Crony. Si tu veux devenir notre chef, tu dois nous offrir ta massue. Ouais, d'accord. Faites attention, massue très lourde. Venez avec moi dans ma grotte. J'ai inventé une boisson avec des feuilles qu'on fait tremper dans de l'eau chaude. Vous verrez, c'est pas mal du tout. Hier, chez Combat, j'ai vu une peau de tigre de toute beauté. J'ai bien envie de l'échanger contre un collier de dents. Vous n'en avez pas marre de marcher pieds nus? C'est vrai qu'on pourrait y mettre quelque chose dessus. Il serait moins sale. Chemin. Lui dormir, je dirais. Bonne chef, chef. Alors nous, pas le réveiller. Moi, avoir inventé un nouveau jet.
Et quoi ça va être? Toi, prendre grosse pierre. Et toi, lancer grosse pierre au-dessus des têtes à toi. Et toi, attends. Je à toi, sûrement très drôle. Nous et je vais tout de suite. Et voilà comment disparurent petit à petit les hommes de Néandertal. Suite à l'invention du jeu dit « du rocher », qui eut un énorme succès, mais qui fit aussi beaucoup de victimes. On se demande encore pourquoi. Enfin, cette interprétation reste encore à prouver. Get out, 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 get out
the mama Africa. Just follow the beat that she's gonna give ya a little.